en face du patron de la IOL, la Panisa. Et bien bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui après ce colloque? Bonjour, on a passé une bonne journée. Et pour nous, on a suivi notre stratégie à la lettre, sauf que le seul truc, c'est qu'on a. On a hésité sur notre choix. Bon, c'est notre premier tour, donc le premier jour, on se dit, on va pas faire les super-héros, mais sinon, on a une manière de fonctionner. On avait des fiches techniques. Si on l'avait suivi, je pense qu'on serait mieux voilé. Et après, on est content. C'est juste qu'à la première bruit, il y a des règles qu'il faut respecter. Donc après, on était dans le self control avec Sarah. Je pense que ça nous a joué un mauvais tour aussi. Parce que ces deux yoles-là, on avait bien croisé la course. Et après, on est entré dans une bataille où je pense que c'était un peu trop tôt. Mais bon, on fait partie de la course. Et ça permet aux autres d'entrer. Tandis que je pense que ce soir, on serait plus à l'aise avec Sarah et nous. Ça veut dire, être plus patient, je pense, pour attaquer, pour faire des jeux comme ça. Mais ça fait partie de la course. C'est que ce sont des gagnants, ils sont les favoris. On est là pour justement pour faire le moins de temps possible la semaine pour être attendu pour soi. Je souhaite le place ça nous satisfait, le boulogne, je ne veux rien dire pour la semaine. Parce que encore une fois, on sera avantageux. On a des parts, donc on va encore profiter pour être parmi les ténors à la pointe du Brooklyn et par les boulogne. Oui. On dit que le boulogne, ça ne compte pas dans la course. Mais je dis quand même, ça a une importance dans la région. Il faut savoir que quand même, on tient compte de la menace qu'on a arrivée. Le travail qu'on a pu faire pour arriver. Non, j'ai pas dit que ça compte pas. C'est que c'est pas qu'on gagne le prologue, qu'on gagne le tour, c'est ce que j'ai dit. Mais le prologue a son importance, il y a des bonus. Après, c'est chaque yol, ses objectifs. Nous, c'est de naviguer sereinement, s'amuser sous l'eau. Et jusqu'à maintenant, j'ai accueilli cette média parce que moi, je pensais pour le premier tour, ils allaient être plus stressés. Ils se sont recontactés et c'est le point positif pour la semaine. Et parlons-en un peu des gars. Comment ils se sont comportés? Quand même à l'aise ou alors il leur manque un petit peu d'entraînement? Ah non, au niveau d'entraînement, on a fait ce qu'il fallait. Je dis sois à l'aise, c'est qu'il y a la joie de vivre. Moi, c'est la rigueur, le travail et surtout la bonne humeur. Donc pour le moment, ils n'ont pas laissé l'événement prendre le dessus. Ça veut dire les émotions. Du tout, d'ailleurs, des fois ça monte au niveau d'émotion. Tu peux en témoigner, tandis que là, ils sont bien, ils sont sereins. Ça veut dire qu'ils sont bien ensemble. On a créé ce groupe, c'était difficile. Il y a eu des choix à faire, il y a eu des choix où la personne a accepté. Aujourd'hui, on montre que c'est comme ça qu'on travaille en groupe. C'est une famille alors? C'est une famille, oui, on a créé une famille. Donc, en France, il n'y a pas de déçu quand on regarde à tueur, mais sauf que c'est bien, on a fait ce qu'il fallait, on accepte et puis voilà. Donc, le gros travail, ça se fera demain matin, quand on va recommencer quelque chose de plus sérieux ou pas? Ah oui, demain matin, il faut qu'on parte. On est encore avantageux par rapport au ténor, donc il faut qu'on parte, il faut qu'on arrive à la pointe du Brooklyn avec eux, et puis après moi, l'idée, c'est les suivre. C'est vraiment pas ici sur le chine sur le autre. C'est moi je les suivre et justement rester proche d'eux pour perdre le temps. Une fois mes gars ont pris l'habitude de du tout des yoles, là on pourra peut-être envisager quelque chose, mais sinon là, cette semaine c'est vraiment rester en contact avec eux et puis s'amuser ensemble. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci. La radio Andy de Martinique vous remercie et vous souhaite très de bonnes choses pour la continuité de cette belle course. Ok? Et vous connaissez déjà Andy F? Oui, j'ai déjà entendu. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, le patron. Kevin, ouais. Ok, merci. À bientôt. Oui.